Docteur, je viens vous voir parce que je pense que j'ai la fibromyalgie. Si? Si, si. Je suis désolée, hein. C'est bien, vous êtes le médecin, je suis la patiente et que, en tant que médecin, vous n'aimez pas trop qu'on vous dise, voilà, que j'en fasse notre propre auto-diagnostic. Mais j'ai regardé plusieurs articles sur Internet et. Franchement, ça y ressemble beaucoup, quoi. Quoi? Oui, je sais, il faut se méfier d'Internet, mais quand même. Pourquoi je pense que c'est la fibromyalgie? Eh bien parce que j'ai mal partout. Je suis fatiguée tout le temps. Je me sens un peu confuse dans ma tête, en fait. Vous voyez, tout ça. Voilà. Vous pensez que je vois tout en noir, que ce serait plutôt une dépression? Pourquoi? Je suis pas du tout dépressif. C'est nul, hein? C'est nul de me dire ça. Enfin, quand même, docteur, vous me connaissez depuis longtemps. Vous trouvez que je fais dépressif? Bon. Alors, écoutez, auscultez-moi, hein, parce que vous ne me croyez pas. C'est fou quand même. Voir ce médecin. On lui mâche le travail en lui disant, voilà, je pense que. Que vous allez rechercher dans cette voie-là, et vous me dites que non. Quand même, je sais ce que je ressens. C'est fou, ça. Pourquoi ça serait pas voir ça? Pourquoi ça serait pas ça? Pourquoi ça serait ça? Ben, pourquoi je veux savoir? Pourquoi je veux savoir? Parce que je souffre, docteur. Ben oui. Vous savez bien, depuis le temps que vous me voyez. Mais si je dois attendre que vous me disiez ce que j'ai, du coup, je vous propose de m'ausculter en sachant que peut-être elle a une fibromyalgie. Il faut que j'aille voir qui, quel spécialiste, neurologue. Eh bien, prescrivez-moi une lettre pour un neurologue. J'y vais. J'y vais. Vous voulez que ce soit quoi? Fatigue chronique. Des douleurs partout. Et un peu confus dans la tête. Attendez, les gens qui sont dépressifs, ils sont fatigués, d'accord? Ils ont mal, ils ont pas mal? Ils ont pas mal, les gens qui sont dépressifs? Et vous savez quoi? La main qui me fait mal, là. Vous me dites? Faudrait savoir. Ah, faudrait savoir. Vous me dites, je n'ai pas la fibromyalgie, c'est dans la tête. Maintenant, quand je vous dis j'ai mal à la main, vous me dites, c'est peut-être la fibromyalgie. Vous n'êtes pas un peu... C'est n'importe quoi. N'importe. Je vais prendre un peu d'eau parce que là, je suis fatiguée. Hein. Déjà, je suis fatiguée à la base, alors là, bon, surfatiguée. C'est pénible, ces bouteilles qui sont congelées. On ne peut pas les boire. Et si on les boit, il faut se mettre comme ça et on risque de faire une fausse route. C'est n'importe quoi. Hein. Bon, je laisse décongeler. Bon, alors. Quoi? Oui, non, mais là, c'est parce que je suis pas la vraie personne. La vraie personne a vraiment mal à la main. Okay? Évidemment, hein, je ferais pas ça si j'avais mal. Bon, comment vous expliquer qu'on a mal à la main? La fibromyalgie, à part la fibromyalgie, ça peut être quoi? Ah, comment on appelle ça, là? Une nerf carpien, un truc comme ça, là, je sais plus, là. Et c'est pas ça. En fait, je vais vous dire un truc. Tout ce que vous ignorez, hein, c'est-à-dire quand vous ne savez pas, vous, médecin, ben vous dites que ça n'existe pas. Si je ne vois rien, c'est qu'il n'y a rien. Moi, je vous dis quelque chose. C'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a rien. C'est pas parce que vous ne voyez pas que c'est dans ma tête. Ok? Bon, et je fais quoi maintenant? On n'a pas beaucoup avancé, hein. De toute façon, quoi, on me dit quoi? Que ce soit la fibromyalgie ou pas, on traite pareil. Si c'est une dépression ou une fibromyalgie, vous traitez avec un antidépresseur. Ok, bon, écoutez, tu sais quoi? Je vais cesser de venir, parce que honnêtement, vous m'êtes absolument pas utile. Voilà, je vais vous dire franchement, faut changer de voie, hein. Faut changer de métier, hein. Parce que là,
Il va vous voir, on vous en a mal, et vous dites quoi? C'est dans la tête. Savez quoi? La prochaine fois, je viens vous voir avec. Ah, comment on appelle ça? J'allais dire un hachoir électrique. Vous allez voir que la douleur, c'est pas. C'est purement psychosomatique. Bref, je vous laisse, je vais avoir quelqu'un d'autre, parce que alors vous, c'est. C'est bon, c'est bon. J'ai ma dose. J'ai ma dose. Ciao. Bon alors. Docteur, je viens vous voir parce que je me demande si j'ai pas. Si j'ai pas la sclérose en plaques, parce qu'en fait, je suis tout le temps fatiguée. Tout le temps fatiguée. Voilà. Alors, oui, je sais, vous m'avez déjà fait passer une IRM, il n'y avait rien. Quoi? C'est pas possible que ce soit la sclérose en plaques, même s'il n'y a rien sur une IRM? Ah bon? Ah bon? Mais, vous ne faites pas faire de fonction lombaire pour être sûr? Parce que des fois, il y a des formes de sclérose en plaques qui. Non, ah oui, c'est en plus, si vous êtes spécialisé à la sclérose en plaques, il faut bien que je vous fasse confiance quand même. Vous connaissez votre métier, ben oui. Bon, je vais continuer à souffrir pendant combien de temps, docteur? Vous n'êtes pas Madame Soleil, vous ne pouvez pas me répondre. Je comprends bien, mais bon, je fais quoi moi avec tout ça? Qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi? Ah ben voilà, on est bien mal, tiens. Bien mal outillé nos jours en France, hein? Quoi? Ah oui, c'est sûr, s'il n'y a rien. Attendez, attendez, attendez. Non, là c'est une blague. Vous êtes en train de me dire que s'il n'y a rien à l'IRM, donc c'est pas la sclérose en plaques, c'est pas la fibromyalgie, puisque vous estimez qu'il n'y a pas les pompes. C'est dans ma tête, et donc c'est quoi? C'est quoi? Vous allez voir un psy? Mais voilà, c'est bien ce que je dis. Toujours pareil. C'est toujours pareil avec vous, docteur. Quand vous ne voyez pas ce qu'il y a, vous imaginez que c'est dans ma tête. Vous êtes allé voir dans ma tête ce qu'il y avait? Alors, vous l'avez bien dit tout à l'heure, il n'y avait rien. Donc, s'il n'y a rien à l'IRM, c'est pas que. Vous êtes en train de me soupçonner de vous raconter des histoires, en fait, c'est ça? C'est-à-dire mes douleurs, ma fatigue, et tout ça, c'est du pipeau, quoi. Vous croyez vraiment que je viens me faire chier à venir vous voir pour rien? Juste pour passer le temps, parce que j'ai rien d'autre à foutre. C'est ça? Ok. Bon, mais je savais quoi? Je crois que je vais arrêter de voir le médecin. Hein. Je vais aller voir un reboot. Peut-être que lui, il aura peut-être plus d'idées. Allez, il va prendre mon fric, mais vous prenez pas mon fric. Combien c'est déjà la consultation? 60 euros? Pour ce que vous avez fait? Ça méritait le déplacement. C'est vrai. Bon. Écoutez, maintenant que je sais, je n'ai pas la fibromyalgie. Je n'ai pas la sclérose en plaques. J'ai rien, quoi. C'est dans ma tête. Vous allez voir un psy. D'accord. J'ai bien compris. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais j'ai bien entendu. Ce sera ça avec tous les médecins, en fait. C'est ça, quoi. Parce que vous remettre en question, c'est compliqué. Et quand on souffre d'une maladie rare, orpheline, on passe des années à se demander qu'est-ce qu'on a. Ben, je comprends pourquoi. Si tous les médecins nous disent que c'est dans la tête, mais qu'en fin de compte, on n'a rien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, vous et moi, parce que voilà. Bon. 46 euros. Au revoir.